vous regardez ETV. Nous devons aujourd'hui reconstruire le territoire avec les Gauzériens. Et c'est la raison pour laquelle je passe, je vais voir les personnes, je discute et ma permanence aujourd'hui est aussi un lieu de rencontre où je pourrais animer des débats et savoir aussi ce que les gens attendent. J'ai ma propre idée là-dessus, mais comme j'ai dit lors de ma déclaration de candidature, je veux co-construire le Gauzier avec les Gauzériens. Je ne veux pas faire pour les Gauzériens sans eux. Ma candidature est une candidature qui se travaille depuis très longtemps. Je rappelle que je suis élue à la majorité depuis 18 ans. Donc les problèmes, je les connais au niveau du territoire. Je rencontre les gens régulièrement, donc je pense être en mesure d'apporter un mieux vivre sur le territoire, que ce soit au niveau des personnes âgées, que ce soit au niveau des jeunes. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et comme je disais tout à l'heure dans mon discours, le Gauzier, je dis que le Gauzier ne doit plus être la ville où on construit encore des bâtiments. C'est encore, je dirais, ça va être la campagne dans la ville, si vous voulez. Et pour nous permettre de parce qu'il y a de l'évolution, les gens attendent autre chose, les personnes ont envie de vivre bien, les personnes ont envie de vivre en sécurité. Donc c'est une chose, ce sont des éléments que je pense apporter une fois que je serai élue à la ville du Gauzier.